Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien aujourd'hui. En plus il fait hyper beau, il y a du grand soleil. J'adore ces journées d'hiver où il fait froid mais beau avec un grand soleil. C'est motivant, on a envie de faire plein de choses. Et ça je trouve ça génial. Birdie, arrête, maman elle revient. Elle est en bas et du coup elle chouine parce que je ne l'ai pas montée avec moi. Enfin bref, c'est pas grave. Je sais pas si vous pouvez l'entendre chouiner, mais... Donc, je voulais vous faire une petite vidéo pour revenir un petit peu... Donc, ce sera une petite vidéo partenariat, mais également partenariat dans le sens où la boutique m'a envoyé quelques petites choses, mais également haul, puisque je voulais vous parler un petit peu de mes derniers achats que j'ai fait sur cette boutique, mais aussi des achats que j'ai fait avant. Il y a des choses que je vous ai montrées, d'autres que je vous ai pas montrées, et puis je voulais vous parler un petit peu de mon ressenti quelques mois après les premiers achats que j'ai fait, etc., etc. Donc, la vidéo partenariat, on va commencer avec ça tout de suite. Donc, la boutique m'a envoyé trois choses. Donc, la boutique, bien sûr, c'est jaidustyle.com. Si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà commandé sur cette boutique. C'est la boutique de Nathanaël de la chaîne L'Instant Beauté. Donc, j'aime vraiment beaucoup cette boutique. Elle propose vraiment des petites choses très sympas. Et voilà. Donc, elle m'a envoyé trois petites choses pour que je teste un petit peu des choses que j'aurais pas forcément acheté moi-même. Surtout pour le collier, mais qu'au final, il est vraiment magnifique. Donc, j'ai reçu ce collier-ci. Je crois qu'il est encore, il est encore en vente sur sa boutique, je suis pas certaine. J'essaierai de trouver les liens, je vous les mettre en barre d'infos. Donc voilà, il est vraiment magnifique, il est très très beau, porté, il est vraiment beau. Donc voilà, c'est un style un peu chic, mais il en faut aussi des trucs chics. Et voilà, j'ai vraiment craqué sur ce collier et je suis vraiment contente de l'avoir reçu. La deuxième chose qu'elle m'a envoyé, c'est un petit bracelet. Donc c'est les bracelets un peu comme les Stardust de Swarovski. Donc celui-ci, il a la résille noire et l'intérieur est avec des perles un peu bordeaux prune. Un peu bordeaux, non je dirais bordeaux tout simplement, voilà. Il est vraiment hyper joli. Pareil, finition aimantée avec fermoir argenté. J'aime beaucoup porter, en plus c'est super facile à mettre ça. Hop, un clic et c'est fait, voilà. Donc j'en ai plusieurs, donc en général je les porte un peu tous ensemble et je trouve ça assez joli, donc voilà. Merci beaucoup Nathanaël pour celui-ci. Et la dernière chose, c'est quelque chose que j'avais repéré sur sa boutique depuis un moment sans jamais oser les commander. Et au final, elles sont magnifiques et j'aurais dû les commander plus tôt, mais comme elle me les a offertes, je suis hyper contente. Donc ce sont ces boucles d'oreilles-ci. Donc vous avez une espèce de petite fleur en strass dans le haut et elles sont en un câble noir comme ça, un peu tressé. Et il y a plein de petits strass cristal, blanc, un peu laiteux. Elles sont super jolies. Regardez-moi ça. Voilà, voilà. Franchement, je les aime beaucoup. Elles sont très très belles. Je les ai déjà portées plusieurs fois et ça ne bouge pas. Aucun souci de ce côté-là. Franchement, pareil, le collier, j'ai déjà porté plusieurs fois. Ça bouge pas. C'est vraiment génial. Et j'adore. Donc voilà pour le petit partenariat et les trois bijoux qu'elle m'a envoyés. Merci beaucoup, Nathanaël, de me faire confiance et d'avoir fait ce partenariat avec moi. Donc je reprends où j'en étais puisque la factrice a sonné et j'ai dû y aller. Alors, je disais donc que ça, c'était les mes achats partenariats. Et là je vais vous parler de mon dernier haul. Il y a juste une paire de boucles d'oreilles que j'ai reçues il y a 3 jours. Mais impossible de remettre la main dessus. Je sais pas où je l'ai foutu. J'ai rangé tous mes bijoux et impossible de remettre la main dessus. Donc je ne sais pas. Enfin bref. Donc j'ai commandé ce sautoir qui est le sautoir Hélène sur la boutique. Il est hyper joli. J'ai adoré. Franchement je suis pas très sautoir. Mais alors celui-là j'ai totalement craqué dessus. Il y a une petite chaînette d'ajustement. Il est en métal noir. Il y a plein de petites chaînettes noires comme ça. Et au niveau du pendant, vous avez trois rouleaux de strass comme ça qui sont très jolis. Voilà, et vous avez un petit nœud en métal, de chaîne métal et vous avez les petites chaînes métal qui finissent. Franchement, je l'ai trouvé hyper beau. Je vous mettrai son prix là quelque part. J'ai adoré, adoré, adoré. Et franchement, il est magnifique. Et la dernière chose, à part les boucles d'oreilles que je ne trouve pas, mais j'essaierai de vous mettre en photo là tout de suite. Voilà, donc vous voyez elles sont vraiment très jolies, mais elles sont vraiment très jolies et voilà, portées elles sont magnifiques mais je ne les retrouve pas, ça m'embête d'ailleurs, je me demande où elles sont passées. Et j'ai pris aussi ceci, donc c'est un foulard rouge, il est hyper grand, mais quand je vous dis hyper grand, regardez, hop, hop, voilà, et dans l'autre sens, voilà. Voilà, donc c'est à la limite du foulard qui peut servir de pareo tellement il est grand. Sérieusement, c'est immense. Moi je l'adore, je le trouve trop joli. En plus en rouge comme ça, simple, je trouve ça assez sympa. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est... voilà,
Voilà, vous avez vu. C'est qu'il est hyper électrique. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est dû à la matière, mais il est vraiment magnifique. Et au pire, si vraiment je vois que ça passe pas au niveau de foulard parce qu'au niveau des cheveux, ça part en live tout de suite, ou alors c'est moi qui suis électrique, j'en sais rien. Ben, je le porterai cet été en pareo sans problème parce qu'il est vraiment hyper beau et je l'aime beaucoup, beaucoup. Pareil, je vous mets le prix là quelque part. Ensuite, je vais passer à un peu vous parler de ce que j'ai acheté sur cette boutique et qui me plaît vraiment. Et je vais vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à l'usure des choses, etc. Donc, on va commencer par les bijoux. Donc les bijoux, j'en ai commandé plusieurs. J'ai commandé beaucoup de bracelets, vous savez, ces bracelets de ce style-là. Alors, moi j'en ai... J'ai plusieurs styles. Donc j'ai celui-ci qui est en bordeaux, que je mets régulièrement et qui ne bouge pas du tout. J'ai le même style, mais en bleu marine, comme ça, pareil, que je mets régulièrement et qui ne bouge pas du tout. J'ai pas perdu de strass ni rien. J'ai celui-ci... Celui-ci qui est dans les tons noir et gris, qui fait beaucoup d'allure et qui d'ailleurs a plu beaucoup à mes amis à Nouvel An. Voilà, donc il est vraiment hyper joli, très sympa. Voilà, très sympa. Et franchement, pas de soucis non plus. J'ai pas perdu de pierre, j'ai pas perdu de strass. Le seul truc que je pouvais lui reprocher quand je l'ai reçu, c'était son odeur. Il sentait très fort la colle ou je sais pas quoi. Mais là, il sent plus rien, donc pas de soucis. Celui-ci également, que j'aime beaucoup, 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 qui est vraiment très joli et qui ne bouge pas. Franchement, je les porte régulièrement et ça ne bouge pas du tout. J'ai celui-ci également, qui est pareil, un peu comme le bordeaux que je vous ai fait voir. Pareil, ça bouge pas, le métal ne noircit pas, ni quoi que ce soit, ni ne perd sa couleur. Donc pour l'instant, franchement, tous les bijoux que j'ai commandés chez elle, j'en suis hyper satisfaite. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et je ne dis pas ça parce que je vous ai parlé d'un partenariat au début, je dis ça parce que je le pense, mais ça vous le savez, je pense que je n'ai pas à revenir là-dessus. Au niveau des foulards, vous avez été beaucoup à beaucoup aimer le foulard gris et le foulard noir à paillettes que j'avais acheté. Donc vous savez, c'est ceux-là. Donc c'est ces styles de foulards-là avec des toutes petites paillettes argentées. Donc moi je l'ai en gris et en noir, ils ont été lavés plusieurs fois, ça ne bouge pas. Franchement, les paillettes ne bougent pas, ça ne bouge pas. Bon après, ceux-là je les lave à la main parce que j'ai peur que si je les mets en machine, les paillettes s'en aillent. Mais voilà, et au pire, il faudra que j'en passe en machine d'ailleurs. Parce que quand je mets mes foulards en machine, d'ailleurs j'ai une machine de foulard à faire prochainement. Je les mets en cycle laine, il me semble, donc ça c'est très doux, donc il n'y a pas de souci. Donc j'essaierai et puis je vous dirai si les paillettes sont restées ou pas, mais franchement, pour l'instant, les paillettes s'en vont pas, ça se décolle pas, ça fait pas de... Je suis hyper contente. Ensuite, je vais vous parler de trois sacs que j'ai eu sur sa boutique et que j'adore. Le premier, c'est celui-ci, donc c'est le petit sac, la pochette chaîne, qui est vraiment très jolie. J'ai déjà porté plusieurs fois, pareil, ça ne s'abîme pas, très très sympa. Et avec la pochette, vous avez, il y a un ours en bas, c'est pas grave. Vous avez la petite chaînette comme ça avec la petite anse pour l'épaule. Donc ça, c'est super. Moi, je laisse au fond du sac en général. Et quand j'en ai besoin, bah, je le sors. Voilà, donc celle-ci, très jolie, pareil, ça bouge pas. Et les deux autres. Alors, un truc sympa avec une de ces pochettes, c'est que j'avais une petite pochette comme ça. Je crois que c'était pour la bordeaux. Ouais, je crois que c'est, non, pas pour la bordeaux, pour la camelle. Elle était livrée là-dedans. Donc du coup, j'ai gardé ce petit truc et je mets mes pochettes dedans, comme ça je les range dans mon placard et elles ne sont pas abîmées. Donc une que j'ai adorée, que j'aime beaucoup et que je porte très souvent, c'est celle-ci, c'est la pochette nœud. Franchement, elle est magnifique. Voilà. Elle est vraiment très très jolie. Alors vous ne défaites pas le nœud pour l'ouvrir, c'est juste un petit truc en dessous. Pareil, facile d'utilisation, hyper jolie, hyper belle. J'ai adoré, franchement j'ai adoré, adoré, adoré. Voilà, ça bouge pas, c'est juste génial quoi. J'ai franchement rien à redire du tout sur les pochettes qu'elle vend ou les bijoux qu'elle vend. Et la dernière que j'ai commandée chez elle et que j'adore, c'est celle-ci. Elle est vraiment très belle. Celle-ci, elle y était en plusieurs couleurs, il me semble. Donc pareil, hyper sympa, bordeaux. Enfin, pourquoi je veux l'appeler bordeaux? Camel comme ça, c'est assez sympa. Quand vous faites un look avec un foulard un peu léopard ou un truc comme ça, je la trouve hyper jolie. Je trouve ça classe. Je crois qu'elle existait en gris aussi. Donc voilà, très très sympathique. Et pareil, vous avez...
À l'intérieur, vous avez la petite sangle que j'ai même pas encore déballée puisque je m'en suis pas encore servie d'ailleurs. Il faudra que je la déballe un jour parce que... Enfin, le sac, je m'en suis servie, mais pas la sangle. Parce que si j'en ai besoin, je me vois mal déballer la sangle et tout en ville. Donc voilà, très très sympa. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup et je peux que vous les recommander. Alors, si je peux, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, au niveau du service client, Nathanaël est vraiment génial. Moi, j'avais eu un souci avec un bracelet pour mes commandes que j'avais fait pour Noël. Elle a tout fait pour... voilà, le bracelet au niveau du fermoir, ça fermait pas bien. Et elle m'en a renvoyé un autre sans problème. Donc ça, je trouve ça génial de sa part et vraiment cool. Et j'ai une amie, pareil, qui a commandé, qui a eu un problème de décollement de strass. Mais ça, Nathanaël a vu. Et c'était un souci avec son fournisseur. Et il me semble qu'elle a vu avec ma copine pour lui renvoyer un bracelet, voilà. Donc franchement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Au niveau boutique et tout ça, elle fait tout pour que les frais de port soient vraiment calculés au plus juste par rapport à ce que vous avez commandé. Donc je trouve ça vraiment génial. C'est rare, en général, c'est un forfait et basta. Là, si vous commandez un bijou ou un seul foulard, vous avez un prix qui est un peu moins que si vous commandez un sac, etc. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, vous avez compris, la boutique jaidustyle.com, pour moi c'est une boutique qui est super cool et j'aime beaucoup 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 et je ne peux que vous la recommander. En attendant, je vous mets le lien en barre d'infos de la boutique. Je vous mettrai là quelque part aussi si en ce moment il y a des pourcentages ou des choses comme ça. Donc si vous voulez, foncez voir. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes énormes bisous, je vous dis à très très bientôt. Si une chose, si vous avez déjà commandé sur jaidustyle, j'aimerais bien que vous me le dites. Vous me disiez, enfin bref, en barre d'infos, en commentaire. Dites-moi un petit peu si vous avez été contente de cette boutique ou pas, si vous avez rencontré des problèmes, quels étaient les problèmes, si vous avez été hyper contente d'un article en particulier, dites-moi quel article, je veux tout savoir, savoir si j'ai envie de, bah, si vous avez envie de me tenter et de dire tiens, va voir un petit peu cet article-là sur la boutique, il est vraiment génial et j'aime beaucoup, j'irai peut-être voir et je craquerai peut-être. Voilà, bah écoutez les filles, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, je vous fais d'énormes énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt, salut salut.